Si un citoyen étranger commet un crime sur le sol américain, le gouvernement des États-Unis a le droit d'appréhender ce suspect dans n'importe quel pays du monde et de le ou de la ramener aux États-Unis pour y être jugé. Ces missions sont du ressort des agents fédéraux du ministère de la Justice américain. Más estrictos y más exigentes. Ah, muy bien. ¿Están dispuestos a pintar? Tiene razón. ¡Cucha, Gobi! ¡No! ¡Date! ¡No solo tu atención! Je sais, j'ai grossi et en plus je perds mes cheveux. Je suis content de te voir. Moi aussi. On y va. Ils arrivent, je les fais rentrer. Évidemment qu'on n'a rien lancé, puisqu'on n'a pas encore l'information. Je peux rien faire tant qu'on ne l'a pas. Alors passez-moi le service maintenant. Salut Marty. Salut Alex. Il
Mickey, je te présente Dick Powell, chef des opérations en Europe. Il y a deux personnes que je veux vous présenter. Alberto Torren, a des services de renseignement de l'armée cubaine. Et son assistant, Juan Belgado. Je vous présente Michael Den, agent fédéral. Enchanté. Asseyez-vous, Den. Mettez-vous à l'aise. On n'a pas de temps à perdre, alors on va aller droit au but. Que savez-vous au sujet de l'assassinat de Manhattan la semaine dernière? Ce qu'on m'en a communiqué. Ambassadeur cubain auprès des Nations Unies. Tireur isolé dans les égouts. Rosé, Simone. Elle vit à Prague, mais sous le nom de Yana Mitlova. Un cigare? Les Lanceros de chez Cohiba. Il dit que ce sont vos préférés. Oui, ceux de Fidel aussi. Plus maintenant. Il a arrêté. J'ai demandé à M. Torena d'apporter une boîte de la Havane, spécialement pour vous. Tenez, savourez-les et ensuite débarrassez-moi de cette garce. Vous avez le fax? Il est en train de passer, Monsieur Powell. Excusez-moi, monsieur. Je vous écoute. Ce genre de cible ne lui correspond pas. La cible? C'était un patriote cubain tué sous les sols américains. Suficiente! Le boulot était signé, Mickey. Il y a qu'elle qui opère comme ça. On a retrouvé l'arme chez un revendeur, ici, à Prague. Le même qu'elle avait dans les années 80. Elle est en train de mourir. Pardon? Elle va crever. La leucémie. On suppose qu'elle veut terminer en beauté. Dans deux jours, l'histoire va s'écrire sous ma responsabilité. La ville de Prague organise un sommet entre les États-Unis et Cuba. Et ce n'est pas les cibles qui manqueront. Ils se feront tirer comme des lapins. Alors je n'ai pas l'intention de foutre en l'air la première chance depuis 30 ans qu'ont ces deux pays de se serrer la main. Suis-je assez clair? Ou est-ce que je dois demander à Reed de vous reconduire à l'aéroport? C'est clair. Bonne dégustation. Vous êtes belle botte. C'est de l'autruche? Du piton. Impressionnant. Désolé que ça tombe sur vous, Den. Les Cubains aiment bien les manières autoritaires. Il fallait que je leur fasse une démonstration. Will, ton portable. Vous vous souvenez de la ville? Très vaguement, j'étais petit. Vous aviez 10 ans quand vous vous êtes enfui, je sais. Ravi de vous avoir rencontré. Allez, viens. On reste pas là. Allez, Thomas. Combien d'appartements à son étage? 7. Elle connaît tous ses voisins par leur nom. 2 verrous à sa porte, aucun accès par les fenêtres. Elle tient un restaurant avec Martha. Elle y reste jusqu'à minuit. Ensuite, le barman la raccompagne jusqu'à sa porte. Voilà, c'est elle. Pile à l'heure, tous les jours à 5h moins le quart. Ça me rend dingue. Elle s'étire. Et elle y va. Alors, tu l'as fini ta bière? Allez, amène-toi. Ça y est, c'est bon. T'excite pas, elle fait le même parcours tous les jours. Comme Powell serait pas arrivé à te convaincre que c'est elle qui a tiré et qui voulait en imposer aux Cubains, il a inventé cette histoire de leucémie. N'importe quoi, du moment que tu marches. Ouais, mais il savait que tu me le dirais. Il s'en foutait. Il voulait que la discussion s'arrête là, c'est tout. C'est un connard, un sale barbouze. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est risqué comme coup. On se la coince ce soir. Regarde-moi ça. Elle a sorti ses cuissardes. Qu'est-ce qu'on sait sur elle? Elle court, elle drague, à l'occasion elle se fait un petit meurtre. Maman, papa? Je vous présente Simone. C'est qui elle? Ça, c'est Martha. Elle tient le resto avec elle. Gwyn? Ah, oh, j'espère que non.
On a eu tort de venir là. Allez, viens, on se barre. Attends une seconde, détends-toi. Ça me plaît bien, moi, ici. On fait un peu tâche, non? Tu trouves pas? Tu déconnes? Personne nous remarque. Baiser qu'elle lui envoie. Ouais, je sais. Ça me rend dingue. Voilà notre homme. Faudra que tu penses à remercier la CIA. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation à une dégustation de vin. Ah ouais, tu es amateur de bon vin. Eh, continue à chercher. Je vais jeter un œil à la cave. Double budget. Une table pour deux personnes. Oui, suivez-moi. Je peux vous offrir un apéritif? Je vous remercie, j'ai apporté ce qu'il faut. Si vous permettez. Je vous préviens, en principe, nous prenons très cher pour les débouchés. Je comprends tout à fait. Vous devez avoir de gros frais avec un restaurant comme ça. Il faut bien qu'on paye les nouveaux rideaux. C'est là, nous la débouchons gratuitement. Non, non, vraiment, j'insiste. Côte rôtie la Ture, 88, et vous la buvez ici. Vous me faites plaisir. En fait, je n'ai jamais goûté ce genre de truc. C'était un prétexte pour engager la conversation. Dommage. Je peux vous offrir un verre? Ah non, je me... Pourquoi pas? Je suis Yana Mitlova. James Doyle. Un nez remarquable. Incroyable, je dirais. Vous avez un goût très sûr, monsieur Doyle.
Ce vin est une légende. Un ami a eu la gentillesse de m'offrir une caisse de ce truc, alors je me suis dit, autant le boire. Vous avez une caisse de ce... truc ? Ou deux. On m'a dit qu'il y avait plusieurs amateurs de vin dans cette ville. Vous n'en connaîtriez pas ? Vous buvez avec l'un d'eux. Vous voulez visiter ma cave ? Elle est juste en dessous. Non, mais je suis sûr qu'elle est très impressionnante. En effet. Je suis sûr aussi qu'elle doit être pauvre. La Turque 88. Ah, un marchand de vin. J'aurais dû m'en douter. Quel est votre prix ? Vous connaissez un acheteur ? Je suis venu mercredi dernier, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas dû beaucoup chercher. Je n'ai pas été absente une fois en 5 ans. Non, je sais que je vous aurais remarqué. Bon, allez, c'est à vous de choisir celle qu'on va boire maintenant. Mademoiselle Miklova, je tiens respectueusement à vous signaler que je suis pété. Et moi aussi. Allez, allons faire un tour à la cave. Je ne crois pas. Oh, attention à la marche. Pourquoi vous ne lui dites pas de rentrer chez lui ? Il habite ici ? Non, on ne doit jamais prendre le volant après avoir bu de grand vin, monsieur Doyle. Oh, on se fait raccompagner. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Première impression. Très hein? Impressionnant. Ouais. Je vous l'avais dit ? Oh, je sais exactement ce qu'il nous faut. Côte rôtie 85, la mouline. Bon, pas si vite. Vous attendez, mais vous avez bien dit que c'était moi qui choisissais. Ah, ok, essayez de faire mieux. Choisis. On va voir ça. Ah, attendez. Allez-y. Ah non, pas les yeux fermés. Vas-y, choisis. Ah, c'est là. Vous savez, il y a une histoire insensée au sujet de cette bouteille. Ça m'est vraiment arrivé, hein. C'était à peu près il y a 6 ans. Voilà, j'étais chez des amis à Avignon. Et un jour, nous avons tous décidé d'aller faire une petite promenade tranquille dans les environs. Et les amis avaient... Ça, c'est bon ! Attrape-la ! Jadi, elle est à Palm Beach chez ses parents. Il y a quelque chose qui va pas ? Elle voudrait que je sois derrière un bureau. Hein ? À l'abri. Bah, elle a peut-être son mot à dire. Ouais. Écoute, si tu veux te débarrasser de moi, t'as qu'à le dire tout de suite. Hein. Mais non. Bon, on parle d'autre chose. C'est peut-être elle qu'on cherche, c'est peut-être pas elle. Écoute, je connais son background, ça... Attends, pas si vite. Hein. Moi aussi, je connais son palmarès. En 5 ans, elle a personnellement été impliquée dans l'assassinat de 10 personnalités de premier plan. Qu'on juge qu'elle ait politiquement raison ou pas, il n'empêche que ça fait 10 meurtres. D'accord ? Et le seul truc pour lequel on aurait pu essayer de la coincer, c'était l'immigration. Le problème, c'est qu'elle était en règle.
Qu'est-ce que ça a à voir avec Manhattan? Elle était là-bas le jour de l'attentat. Dès qu'elle se trouve quelque part, il y a quelqu'un qui meurt. Personnellement, je me fous que ce soit elle qui ait buté l'ambassadeur ou pas. Son dossier est déjà tellement chargé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Merde! Merde! Arrête! Elle a sauté! Oh la salope! Arrête-toi! Oh la garce! Merde! Où elle est? Là! Elle est là-haut! Oh la salope! Dieu, où elle est passée? Alors, tu crois toujours que c'est pas elle? Ça mérite d'y réfléchir. Mais arrête, tu déconnes? Merde. Seigneur. Do kapice, do kapice, běžím na místo, zcela pod mostem. Je devrais te botter le cul, ouais. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté, bon Dieu? Mais musíme si něco dělat. Je to jasný? Nebudu se to opakovat. To bych byl rád. Bordel! Félicitations, messieurs. Le secrétaire d'État sait qui vous êtes maintenant. Nom de Dieu. On peut être tranquille. Avec des types comme vous, les droits sur l'adoption vont au moins régresser de 50 ans. La fille s'est enfuie. Je vais savoir les sanctions retenues contre ces hommes.
Monsieur Den va prendre l'avion de 6 heures pour les États-Unis. Je rédigerai moi-même un rapport sur ses activités à l'intention de ses supérieurs. Et qu'est-ce que vous allez faire pour l'autre? Ça ne vous regarde pas, général. Ça ne me regarde pas. Il y a un assassin ici. Et un représentant de mon pays est sa prochaine cible. C'est pour ça que je vous ai demandé de régler cette affaire. Je vous l'ai dit, général. Nous ne sommes que des diplomates ici. Nous ne pouvons pas nous amuser à kidnapper des citoyens dans un pays ami. Non, bien sûr. Pour ça, ils ont les ministères de la justice. No tienen arreglo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle était trop forte pour vous? Maintenant, foutez le camp de là. Ok, mon vieux. Espèce de connard. Will, le portable. Dick. Écoutez, c'est moi qui tenais la seringue. Vous ne pouvez pas lâcher Dane. Il ne s'est jamais agi de lâcher qui que ce soit. Ah, ça aussi, c'était pour la galerie, alors. Et l'honnêteté n'a jamais rien rapporté, Reed. Vous devriez le savoir. Trouver la fille, c'est tout. Allez, un petit dernier pour la route et on va se coucher. Non, je vais pas me coucher, moi. Simone va contacter Martha ce soir. Ah, t'en fais pas, aller sur écoute. Non, il vaut mieux que j'y aille. Ah ouais? Et t'imagines qu'elle va te recevoir? Ouais, dès qu'elle aura entendu mon histoire. Quoi? Hé, hey, Mickey. Arrête! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Je vais donner à Martha une raison de me croire. Non, mais t'es barjou! Pourquoi? T'as une meilleure idée? Ouais, va te reposer. Si demain matin tu crois toujours que c'est une bonne idée, je te charcuterai moi-même, après avoir beurré mes toasts. T'as vu l'autre rigolo, là, Belgado? Comment il s'est foutu de nous? On l'emmerde, c'est un sale con. Non, j'ai tout foutu par terre. Tu te débrouilles pour que ce soit moi qui me fasse engager et moi je fous tout en l'air. Je te dois mieux que ça, non? Mais pourquoi? Mickey, on n'a pas de dette entre nous. On est bien d'accord. C'est taille. Paula a jamais eu à changer une couche et je dois quand même m'occuper d'un môme. Mickey, écoute-moi, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Bah alors regarde pas. Tu l'as dit toi-même. On ment pour découvrir la vérité. Qui est là? Je vous en prie, aidez-moi. On s'est vu au restaurant ce soir. Je vais appeler la police. Non, surtout pas. Non, je fais tout pour leur échapper. Comme il y en a. Où est-elle? Je sais pas. Il faut absolument que je lui parle. Je sais qu'elle va appeler ici. Non. S'il vous plaît, je vous en prie. Écoutez, vous devez m'aider. D'accord. Merci. Par ici. Venez par ici. Allez, enlevez votre veste. Qu'est-ce que vous veniez faire au restaurant? J'étais venu la retrouver, André. Discuter d'un boulot, le mettre au point. Doucement. Quel genre de boulot? Oh mon Dieu. Il faut nettoyer ça. Quel genre de boulot? Un assassinat. Elle s'appelle pas Yana Mitlova, mais Simone Rosset. Vous ignorez beaucoup de choses sur elle.
Et vous? Je veux dire, je sais pourquoi Simone fait ça. Ou plutôt, faisait. Mais vous? J'ai mes raisons. Elle m'a parlé des types dans votre genre. Ceux qui font ça parce que ça paie bien. Ma mère éditait un journal clandestin avec un homme et puis un jour il l'a trahi. La police secrète a débarqué chez elle et elle l'a tué. C'était le 9 avril 1969. Après ça, personne n'a eu à me payer pour tenir un flingue. On vous a arrêté aussi? Non. J'étais caché. Je suis désolée, je voulais pas. Vous en voulez? Avec ça, vous sentirez moins votre bras. Non, j'ai surtout besoin d'un peu de sommeil. Et puis ensuite? Ben, si elle a toujours pas appelé, je m'en irai. Je vais chercher une couverture. Simone parle beaucoup de vous. Elle vous aime. Pas suffisamment. Attendez. Elle est sûrement sur écoute. Choisissez un endroit qu'elle connaît sans avoir à mentionner le nom. Et ne lui dites pas que je suis là. Allô? Martha. Écoute. Je suis désolée, mais il faut que je quitte Prague pendant un certain temps. Je sais. Comment ça? Il faut qu'on se voie. Tout de suite. Si tu veux, je suis à... Non, ne me dis pas où tu es. On n'est pas seuls. Tu te souviens où on a écouté Chopin sous la pluie? Oui. Je vais t'apporter des fringues et tout l'argent que j'ai. Fais attention à toi jusqu'à ce qu'on arrive. Je vois. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tout va très bien. Je t'embrasse. Vite, donnez-moi les clés. Pas question. Regardez à droite. Il nous suit. Hein? Donnez-moi les clés. Montez. Arrivez à le sommet, accrochez-vous. Accrochez-vous. S'il te plaît, Mickey, n'en fais pas trop quand même. Maintenant, vous allez me dire où on va.
C'est à quel endroit? Par là. C'est là que vous écoutiez Chopin? Continuez à nous sous-estimer. L'arrogance. Vous faites seulement votre travail. Je le sais. Monsieur James Doyle. Mais je vous conseille de nous oublier. Je n'hésiterai pas à vous tuer. Les clés. Collaboration parfaite. Ouais. Si la police check allait à Pittsburgh pour enlever un Américain et le ramener ici pour le juger, vous diriez que ce sont des menaces de... Mon amie est innocente. Ah ouais? Alors pourquoi elle veut échapper à la police? Réveillez-moi quand on sera à Vienne. Thank you.
Hey. Moje žena, příliš pila. Jo, ale já vás stejně nevím. Pomoz. Pomoz. L'hélico vous attend là-bas. Vous avez le temps de manger et 2 heures pour vous reposer. Si vous partez d'ici à 10 heures, elle aura quitté le sol tchèque à midi. Sauf si vous voulez nous épargner des complications et que vous la butez tout de suite. Ah, c'est une bonne idée, ça. C'était une suggestion. Voyons, monsieur Powell. Regardez-le. Il n'a pas une tête de tueur. Il est trop timide, trop délicat. Petit effort. Vous l'amenez faire un tour derrière la maison et vous lui collez une pastille entre les 2 yeux. Boum! C'est facile. C'est comme quand on jouit, en plus fort. Je serais vous, je me ferais soigner, Belgado. J'ai essayé. Personne ne veut s'occuper de mon cas. Ça va comme ça. Ciao, Mickey. Je suis fier de toi. Hey, Alex. C'est aussi grâce à toi. Vous n'êtes pas si sûr que je sois impliqué dans cette histoire. Vous êtes un suspect, ça me suffit. Je vous crois pas. C'est votre problème. Vous me regardez jamais dans les yeux. Ça en dit plutôt long. Je vous l'ai dit l'autre jour. Ça fait 5 ans que je n'ai pas quitté ce pays. Et je peux le prouver. À moins que vous préfériez ne pas le savoir. Ouais, c'est ça. Vous diriez n'importe quoi si ça avait une chance de marcher. Je vais prendre un bain. Ça me paraît compromis. Pourquoi? Vous croyez que je vais traverser les murs? Avec vous, on sait jamais. Venez me surveiller si vous voulez. Il y a une raison si Poel veut se débarrasser de moi. Oui, vous avez la mauvaise habitude d'abattre les gens. Des gens? Non. J'ai tué des monstres. J'ai lu votre dossier. Alors vous devriez savoir, j'ai pris ma retraite. Approchez.
Votre bras, venez. L'histoire que vous avez racontée à Martin sur la police tchèque qui a tué votre mère. C'est vrai? Ouais. Ça, c'est le gendarme que j'ai tué. À votre avis, pourquoi les types comme Poel n'avaient encore jamais essayé de m'arrêter? Hein? Vous savez, vous avez menti sans vouloir l'autre jour. On ne me donnera même pas la chance d'avoir un vrai procès. Parce que je ne sortirai pas vivante de ce pays. Poel s'y opposera. Dans 3 heures, on aura décollé. Vous ne voyez pas à quel point c'est impossible. Vous aurez votre procès. Je vous le promets. Monsieur Bane, je peux avoir les clés des menottes, s'il vous plaît? Je vous demande pardon. Il y a un petit changement. Vous continuez sur Munich, seul. On se charge du suspect. Qui vous a donné l'ordre? On doit juste vérifier certains détails. Qui commande ici?
C'est vous le responsable? Oui. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous nous donnez la fille et vous vous tirez tout de suite. Allez vous faire foutre. Les mains sur la tête. Tout de suite. Allez! La clé. Merci. Prends son flingue. Mademoiselle Rosset, retirez vos menottes et descendez du camion, s'il vous plaît. Descendez. Allez, avance! Tu ailles ailleurs, en Allemagne, en Autriche, où tu veux, mais pas ici. Moi? Mais tu viens pas avec moi? Non, je vais à Prague. À Prague? Pourquoi? Il faut que je voie Alex. Qui est Alex? Mon coéquipier, ils vont s'occuper de lui maintenant. Tu vas mourir si tu retournes là-bas tout seul. T'es dingue! Bonne chance. T'es sûr que c'est ce que tu veux?
Je suis sûre. Le premier endroit où Poel va aller, c'est l'appartement d'Alex. Attention ! Baisse-toi ! Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe? C'est Powell, Alex. C'est lui qui a tout monté. Au nom de Dieu, allez, entrez. Vous savez que vous êtes complètement jeté. Powell a lancé ses sbires pour vous éliminer. Ça devrait vous faire réfléchir. Vous pouvez crever, il en a rien à foutre. Vous devriez déjà être loin de Prague à l'heure qu'il est. Et vous? Estimez-vous heureuse d'être encore en vie? On est là pour essayer de sauver votre peau. Et vous êtes revenu pour ça? Réfléchis, Alex. T'as pensé au sommet. Des types vont se faire descendre aujourd'hui. Il reste peu de temps. Ce petit enculé a l'air d'avoir pensé à tout, on dirait. Et pourquoi Powell voudra empêcher les négociations avec les Cubains? Qu'est-ce qui te fait croire que ça s'arrête à Powell? Il nous reste qu'une demi-heure. Il ne me reste qu'une demi-heure. Vous deux, vous restez là, compris? Non, mais c'est grotesque. On ne peut pas rester là. Tu voulais le prévenir, maintenant c'est fait, alors on fout le camp. Vous quittez pas cet appartement. Et vous n'ouvrez à personne sauf à moi, c'est clair? Il faut que je vienne avec toi. Voilà ce qui me manquait. Un crétin avec une cible dessinée sur la poitrine juste à côté de moi. Je suis clair? C'est clair. Et merde. Fais gaffe à toi. Ouais. Il devrait pas y aller tout seul. Et nous, on devrait pas rester ici. Je devrais être avec lui pour le couvrir. Oui, c'est ça. Et pour te faire tuer aussi. À quoi ça servirait? Parfois, c'est pire de survivre. Non, c'est pas vrai. Non, réponds pas. C'est peut-être Alex. Ne réponds pas. Bonjour, vous êtes bien chez Alex. Laissez un message après le bip. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alex. C'est Alex. Il faut qu'on parte d'ici. Tout de suite. Il doit y avoir une explication. Mais il y en a une, c'est que lui aussi est avec eux. Non, non, je ne crois pas. Mais merde, je te dis qu'il est avec eux! Apprends! Oh.
Thank you.
Barre-toi, Mickey! Pousse ton arme! Fous le camp! Je t'en vaudrai ça! Tu vas lâcher ton arme, ouais! J'aurais dû tirer. Je suis mort de toute façon. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Powell? Tu crois que Powell est capable de concevoir un plan comme ça? T'es un de ces salopards d'assassins! Ça fait des années que je suis un assassin, Mickey. Pour l'oncle Sam. Torrena paie beaucoup mieux. Tu travailles pour Torrena? Je te l'ai déjà dit. Si tu veux te débarrasser de celui qui a été ton modèle dans le service, je comprendrai. Alors c'est pour ça que tu m'as choisi? Tu savais que je serais plus facile à manipuler qu'un autre? Si j'étais vraiment aussi malin, je serais pas assis ici, les pieds dans la merde, pendant que mes cibles sont à l'intérieur en train de s'empiffrer. T'enfoiré sur le toit! Si ça avait été un meilleur tireur, je serais mort maintenant et toi, tu serais libre! Je te jure que l'idée vient pas de moi! T'es tellement habitué à mentir que je serais fichu de te croire! Attends seulement quelques années. Et tu seras pareil. Prends soin de Paula, s'il te plaît. Il est mort, c'est lui qui devait tirer sur l'ambassadeur, mais celui qui l'a payé est à l'intérieur. Donnez-moi une arme. Qu'est-ce que vous racontez? Payé par qui? Torrena! Vous me le donnez, ce flingue? Donnez-lui! Vous avez compris? Alberto Torrena! Je suis un agent fédéral. Le gouvernement américain a lancé un mandat d'arrêt contre vous. Je vous arrête. Ainsi que votre complice Juan Belgado pour l'assassinat de l'ambassadeur cubain auprès des Nations Unies. Une fois sur le sol américain, vous serez jugé selon les lois de ce pays.
Si votre innocence est prouvée, vous serez libre de retourner dans votre pays. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Arriba no hay salida. Corre, viejo, corre. ¿Dónde vas? Espérame. ¡Date prisa! Moyen de sortir d'ici, que toi. Arrêtez, bougez pas. Pour qui? Vérifiez que les empreintes de rides soient bien effacées. Sa femme n'aura pas de pension si on apprend que c'est un traître. C'est mieux pour elle et pour le processus de paix. Et pour vous aussi. Oui. Reed était à bout de course. Ça arrive, même au meilleur. Den, j'ai un petit boulot pour vous au Moyen-Orient. Ça vous dit ? Je vous le rends. Je doublerai votre salaire. Et ça aussi. Oui, il prend ça et donne-moi le portable. Bien le bonjour à Broadway. Powell. Quelles empreintes vous allez mettre sur le fusil ? Quelles empreintes vous laisseriez, vous ? George, c'est Powell. On a eu le tireur. C'est bien ce qu'on pensait. Simone Rosset, jolie fille.